synthèse additive. La couleur des objets peut être expliquée par la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive résulte de la superposition de lumière colorée. Il faut plusieurs sources de lumière. Voici quelques exemples de sources de lumière. L'écran de la télévision, l'écran d'ordinateur, ou encore la scène d'une salle de spectacle. Les couleurs primaires de la synthèse additive sont le rouge, le vert et le bleu. On parle souvent des couleurs RVB. En combinant ces trois lumières colorées, on peut restituer toutes les couleurs. Voici le cercle précisant le principe de la synthèse additive. L'intersection du bleu et du rouge donne du magenta. L'intersection du bleu et du vert donne du cyan. L'intersection du vert et du rouge donne du jaune. L'intersection de ces trois cercles de couleurs donne du blanc. Le mélange de ces trois lumières colorées dans des proportions égales donne du blanc. Deux couleurs sont dites complémentaires lorsque leur synthèse additive donne du blanc. Par exemple, le vert et le magenta sont complémentaires. En effet, le magenta résulte du mélange du bleu et du rouge. En mélangeant le magenta et le vert, on a donc mélangé les trois couleurs primaires. De même, le rouge et le cyan sont des couleurs complémentaires. Leur mélange donne du blanc. Le bleu et le jaune sont elles aussi complémentaires.